RTT Nuit vous présente un documentaire 100% fainéant. RTT Nuit, Totato Manureva. C'est le 8 avril 2002 que l'aventure commence pour le rugby club de Pirée. Un tout jeune club qui compte déjà 20 titres à son actif, championnat, coupe et rugby à 7 inclus. Un club en constante évolution et qui possède aujourd'hui son école de rugby, son équipe féminine et bien sûr son équipe senior qui est en pleine restructuration suite au départ avec succès de plusieurs cadres vers des clubs métropolitains. Pour améliorer le jeu de ces rugbymen, le club leur propose un voyage découverte tous les deux ans. L'objectif, c'est toujours de confronter nos joueurs à un rugby différent, de leur ouvrir l'esprit. Alors, non seulement sportivement, mais aussi humainement, de vivre un déplacement. Pour beaucoup de joueurs, chaque année, c'est la première fois qu'ils se sortent de Polynésie française. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut les faire grandir sportivement, mais aussi on veut les faire grandir humainement et socialement. Une nouvelle aventure à NZ, voilà. C'est trop top. Un très beau voyage. Très beau voyage, un très beau voyage. Voilà, à Diet. Tout juste arrivé sur le sol kiwi et première bonne surprise. Officer Tonu'u, ex All Blacks, sera le guide durant tout le séjour. Et pour débuter cette belle aventure, quoi de mieux qu'une visite guidée du stade emblématique des champions du monde néo-zélandais, Leyden Park. Promenade dans les loges privées avec un petit historique du maillot. Tribune officielle, tribune populaire. Créé dans les années 1900, Leyden Park est pour beaucoup le plus célèbre stade de rugby au monde. C'est celui qui a accueilli la première Coupe du monde de l'histoire du rugby en 1987. En finale, les All Blacks se sont imposés face à la France sur le score de 29 à 9. 24 ans plus tard, ces deux mêmes sélections se sont retrouvées une fois de plus sur ce terrain lors de la finale de la Coupe du monde 2011, avec encore une fois une victoire des All Blacks par un petit point d'écart, 8 à 7. C'est pas Fatawa quoi. Non, génial, une belle expérience, c'est que le premier jour et on se régale, ouais. Déjà on se régale, c'est un truc de malade. Vous vous êtes déjà dit, il y a 2, 3 ans, 4 ans, je vais aller à Leyden Park. Même pas. On a même pas pensé. Que... Ouais, ça n'a jamais frôlé la tête. Bah, Leyden Park, si aussi près, Leyden Park on a déjà vu des matchs auparavant. De voir le stade d'aussi près, voir les tribunes officielles, et, la salle VIP. C'est le stade du rugby où tout a commencé. Quoi. Les joueurs du rugby club de Pirée ont même eu le privilège de fouler la pelouse du mythique stade. Une visite qui se termine par un détour dans les vestiaires des All Blacks. Box nominatif, spa, salle vidéo. Tout ici est dédié au sport de haut niveau. C'est ancré dans l'esprit collectif. Eden Park, c'est le stade national de Nouvelle-Zélande. C'est bien sûr la maison des All Blacks. Ici, ils n'ont subi aucune défaite depuis 1994. Ils détiennent d'ailleurs le palmarès de 39 victoires consécutives à Eden Park, ce qui est formidable. La seconde journée sur le sol maori débute par un entraînement sous la baguette d'un coach particulier qui n'est autre que le guide Officer Tonu'u. Cet ancien demi de mêlée de la sélection néo-zélandaise entre 1997 et 1998 est le 950e joueur à faire partie de la grande famille des All Blacks. C'est avec joie qu'il partage son savoir, joueur mais aussi coach sont à l'écoute et lorsque ce n'est pas le cas, la sanction est immédiate. On connaît l'habitude polynésienne, un peu de laxisme, de laisser aller. Et puis là, avec la rigueur néo-zélandaise,
Le premier enseignement, c'est que maintenant, il faut pas tricher, il faut mettre du rythme, du rythme, du rythme, du rythme. C'est ça la Nouvelle-Zélande. Il faut pas tricher parce que sinon, après, tu es sanctionné direct derrière. Après quelques heures de vol, il était important pour les joueurs d'effectuer un décrassage. Pour leur entraîneur du jour, il n'était pas question d'un entraînement très technique, mais plus d'une remise en jambe avec quelques exercices permettant de jauger le niveau des uns et des autres. L'idée, c'est de répéter les mêmes gestes et voir leur évolution, les passes, les tacles et leurs réactions en particulier. Dès que leur niveau s'améliore, j'ajoute autre chose pour les stimuler. Si l'URC Peer 1 est en terre néo-zélandaise pour perfectionner son rugby, il en profite également pour visiter ce pays aux multiples facettes. À quelques pas du logement du club se dresse la Sky Tower, une tour d'observation qui culmine à 328 mètres. Inaugurée le 3 mars 1997, après 2 ans et demi de travaux, c'est une des principales attractions touristiques d'Auckland, avec près de 700 000 visiteurs chaque année. Pour certains, c'est la première fois qu'ils visitent un tel édifice, mais plus encore, c'est même la première fois qu'ils sortent de la Polynésie. C'est un autre pays, je découvre d'autres autres choses. C'est carrément top, magique. Quoi. En plus, c'est au pays du rugby. Je viens juste de commencer le rugby. Je pensais pas voyager là tout de suite, mais je suis content. Merci au club du rugby, de Pire, dans mon Pire. Merci beaucoup. C'est au Manurewa Rugby Football Club que le RC Pire se rend pour le second entraînement de cette aventure. Un début d'entraînement dirigé, une fois de plus, par Ofisa Tonu'u. Pour la seconde partie de l'entraînement, place à une rencontre de touch rugby, les joueurs de Pire A font face aux anciennes gloires de Manurewa. Systématique et l'autre il vient pas trop vite de manière à ce que il peut prendre le si l'avantage physique est au bénéfice des Tahitiens, la technicité et la discipline est elle du côté néo-zélandais. One thing is important to learn in touch. Une chose importante à retenir au touch is when you see someone's coming to touch you. Quand vous voyez quelqu'un qui vient pour vous toucher, you don't keep running. Ne continuez pas la course. You anticipate the touch. Anticipez le touch. Voilà. Après l'effort, une bonne séance d'étirement, les rugbymen de Pire S sont conviés à une visite guidée du clubhouse de Manurewa. Les genoux en bas, les genoux. Un club qui possède une histoire très forte, fondée en 1921. Bon nombre de joueurs internationaux sont passés par ici, tels Patrick Walsh ou Tony Marsh, qui a évolué avec l'équipe de France entre 2001 à 2004, ou plus récemment encore, Nanae Williams, international de rugby à 7, mais aussi la Velos Portia Woodman, la star du rugby néo-zélandais féminin. Une rencontre qui a permis aux joueurs de parfaire leur culture rugbystique. Sur le chemin du retour vers notre motel, notre coach international nous propose un petit pèlerinage. Nous nous arrêtons au Manukau Memorial Gardens, le cimetière où la légende John Alomu, avec qui il a joué, a été enterré, aux côtés de l'international et légende samoan de rugby, Peter Fatialofa, cousin d'Ofisa. Un moment fort en émotion pour tous, et en particulier pour le président du RC Pire. D'origine tongienne comme lui, et nos parents viennent de la même île. Nous sommes famille. Lorsqu'il est venu en 2009, j'ai eu l'occasion de l'accueillir et on a pu sympathiser. Et c'était vraiment des moments forts. Surtout John Alomu, qui est un exemple du rugby mondial. Il a été un des plus grands joueurs qui ont marqué
les esprits de tout le monde, et même dans d'autres sports. Voilà, et c'était un moment très particulier pour moi. Pour clore cette belle journée, direction une fois de plus Leyden Park, armé de leur ticket d'entrée, c'est en chanson qu'ils se dirigent vers le stade pour assister à une rencontre de Super 15. Les Blues d'Auckland rencontrent les Sharks de Durban en Afrique du Sud. Et pour la petite histoire, ce sont les Sharks qui s'imposent face aux Blues, et ce, malgré les encouragements des Tahitiens acquis à leur cause. Au lendemain du match, après une brève visite du site d'entraînement des Blues, direction la ville de Rotorua, un long trajet de bus attend l'équipe. Les joueurs en profitent pour s'occuper comme ils le peuvent. Après 3 heures de route, c'est l'arrivée au motel. Tout juste le temps de poser ses bagages et c'est parti pour un décrassage avec coach Ofisa Tonu'u. Un entraînement axé sur le stretching et le jeu afin d'éliminer l'accumulation des toxines du voyage. Rotorua est une ville qui compte près de 65 000 habitants, très prisée des touristes pour ses nombreuses activités. Pour le rugby club de Pire Haie, ce voyage en terre kiwi est aussi le moyen de consolider l'union entre les joueurs hors terrain, et tout cela de manière un peu décalée. Au programme de cette journée de détente pour les joueurs, la descente des pistes du Skyline Rotorua à bord d'une luge à roulettes, une activité prisée en Nouvelle-Zélande et bien connue désormais aux Fénois. Petit retour au calme pour terminer cette journée d'activité riche en émotions. La Nouvelle-Zélande, c'est également une culture et un peuple maori attaché à sa terre. Le Whakarewarewa Thermal Village en est un bel exemple. Rotorua est une ville très connue pour son activité géothermique. On y trouve de nombreux geysers, dont le Pohutu. Ainsi que des sources thermales. Les Maoris ont appris à tirer profit de ces bienfaits et ont ainsi construit leur village tout autour. Activité, culture et travail sur soi, pour bien terminer la journée, toute l'équipe s'est réunie pour une causerie particulière. Les joueurs sont invités à donner un avis positif sur tel ou tel autre joueur. De quoi resserrer une fois de plus la cohésion et les liens du groupe avant la suite du séjour. Mais il est vraiment très puissant, et voilà, il y va, comme l'a dit Howe, il y va, il découpe les mecs, tout ça. Je voulais que les joueurs puissent partager, puissent donner, puissent recevoir un message d'amour, de bienveillance, et positif les uns envers les autres. La philosophie de notre club, c'est « One love, one team ». Je suis convaincu que ce message positif qu'ils vont recevoir, cet amour qu'ils reçoivent de la part des uns et des autres, ils seront capables de le ressortir dans les moments difficiles, sur un terrain, en équipe, mais aussi à la maison. Et je pense que notre rôle, il se situe à ce niveau-là, surtout dans le sport amateur. Et de la cohésion, il en faut une fois de plus pour cette belle journée en perspective. Après l'entraînement journalier et un système de jeu qui, petit à petit, se met en place, le groupe a rendez-vous avec la seconde activité pleine d'adrénaline du séjour. Vêtus de vestes en néoprène, de chaussons et armés d'un casque et de leur pagaie, c'est dans la rivière Kaituna de Rotorua que le groupe a rendez-vous pour une séance de rafting.
une rivière qui sert de camp d'entraînement et de lieu de compétition aux canoïstes et kayakistes kiwis. Trois cascades d'une hauteur différente attendent les Eito de Pirae. Dans le clou de cette aventure aquatique, les chutes de Tutea, hautes de 7 mètres. Cinq minutes durant, joueurs et membres du staff ont profité de la rivière Kaituna qui, pour l'occasion, a offert à son public son plus beau visage. Au retour de cette superbe expérience, les joueurs ont pu profiter de leur après-midi de libre. Le staff a lui pu bénéficier d'une bonne séance technique auprès de Ofisa Tonu'u, un moment d'échange sur le plan de jeu actuel du RC Pirae et une proposition de jeu complémentaire proposée par Ofisa. Tout comme les joueurs, les coachs se remettent en question et approfondissent leur technique rugbystique. Et bonne nouvelle, Ofisa Tonu'u n'est pas avare en conseils, bien au contraire. C'est une réelle opportunité pour le groupe. Plus nos entraîneurs seront formés, plus ils auront de l'expérience, plus ils auront un état d'esprit ouvert, plus ils pourront le transmettre à leurs joueurs et on aura des joueurs de qualité. Entraîner, c'est une remise en question permanente. À partir du moment où on n'a que des certitudes, pour un entraîneur, je pense que c'est le début de la fin. Une opportunité qui, une fois de plus, se vérifie suite à un petit coup de fil des amis collectionneurs. Ofisa obtient une visite privée d'un mini-musée dédié à l'histoire du rugby, avec en particulier une collection de jerseys ou maillots de match. Pour des raisons d'espace et de sécurité, seuls les membres du staff ont été conviés à cette visite dans un endroit où peu de personnes ont eu accès. Des centaines de maillots de club ou maillots internationaux, souvent dédicacés des All Blacks de la sélection australienne, sud-africaine, samoane, sans oublier la France, des caps ou encore des ballons. C'est un véritable trésor qui a été emmagasiné des années durant. Un trésor désormais enrichi d'un ballon du RC Pirae offert par Teiki Dubois. Club in Tahiti, which is a rugby club Pirae Tahiti. Oh, awesome. So it's a present for you welcoming here. Oh, mean, thank you. So awesome, thank you. Thank you. Mean. Thank you. Thank you for awesome. Visiting here. Pour l'avant-dernière partie de l'aventure néo-zélandaise, le RC Pirae se déplace à Mount Maunganui, un faubourg de la ville de Tauranga, une ville côtière et très touristique de près de 20 000 habitants. Mount Maunganui désigne également un volcan endormi situé à l'extrémité ouest de la ville et de la péninsule, le Mauoa. Cette dernière étape au pays du long nuage blanc conduit le club à l'Inside Running Academy, une académie dédiée au développement des sportifs de haut niveau et en particulier au rugbymen. De jeunes joueurs venus du monde entier tentent l'expérience rugbystique avec à la clé un contrat professionnel pour les meilleurs d'entre eux. Trois jours durant, les joueurs de Pirae vont partager des séances d'entraînement spécifiques encadrées par plusieurs entraîneurs spécialisés. Atelier de plaquage, atelier de passe, ou encore atelier d'explosivité. Jeu de face à face, jeu d'habileté, parfois coéquipier, parfois adversaire, la barrière linguistique n'a pas d'emprise sur les joueurs, ravis de cette expérience sportive, mais aussi humaine. Ici au Nouvelle-Zélande, c'est lentement, c'est le monde du rugby. Et moi, en tant
tant que joueur en Polynésie, j'ai la chance d'avoir fait cette expérience avec mon club. Quand j'ai fait du rugby, ça m'aide beaucoup dans la vie aussi. Et ça peut changer une personne. Et tu apprends beaucoup de choses, le fair play, le respect et l'humilité. Tout est pensé au niveau dans cette académie, rien n'est laissé au hasard. L'académie possède son hangar dédié à la préparation physique. Piste de course. Appareil de musculation, les athlètes évoluent dans des conditions optimales. Pour l'occasion, les préparateurs physiques de l'académie ont fait passer des tests aux joueurs, tests auxquels ont droit tous les mois les pensionnaires de l'Inside Running Academy. L'occasion aussi de créer une mini-compétition au sein du groupe. C'est vraiment un très très beau déplacement, une opportunité incroyable à la fois pour les joueurs et pour nous, membres du staff qui les accompagnons, parce qu'on est quand même dans le pays du rugby. C'est une référence pour tout rugbyman de quel que soit son niveau. Et ça aurait été une semaine aussi très intéressante, même en interne, pour le groupe, parce qu'on apprend à mieux se connaître dans des déplacements comme celui-ci. Les jeunes, les moins jeunes, les dirigeants, les joueurs, donc c'est vraiment très intéressant. Après une belle journée riche en efforts, rien de mieux qu'un bain frais pour récupérer. Au retour vers le logement, petit stop, les joueurs profitent de la plage pour se revigorer. Ce séjour à Mount Maunganui se termine pour les joueurs par une petite randonnée au Karangahake Gorge, une ancienne mine d'or fermée en 1979 et exploitée durant les années 1870 à 1950. Elle est aujourd'hui accessible par divers sentiers pédestres et cyclables. Une randonnée en pleine nature qui a permis aux joueurs de prendre un bon bol d'air frais. Pour la dernière soirée sur le sol kiwi, le RC Pire F fait un stop-over à Hamilton. Pour assister à une nouvelle rencontre de Super 15, les Blues d'Auckland s'y déplacent cette fois-ci pour rencontrer les Chiefs de Waikato. Et une fois de plus, ce sont les Blues qui s'inclinent sur le score serré de 21 à 19. L'heure est au départ, un moment chargé d'émotions, car si cette aventure a été riche sur le plan sportif, extra-sportif ou encore culturel, elle a également permis de faire de belles rencontres et créer ainsi des liens forts. Plus qu'un guide ou un simple coach, Officer Tonu'u est devenu au fil du séjour un membre à part entière du RC Pire. Atu, 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 atu
C'est en présence de membres de sa famille et en faisant un cadeau particulier que Officer a voulu sceller ce lien fort avec le RC Pirae. Il a offert une tenue complète All Blacks au club, tenue avec laquelle il a inscrit un essai contre l'Afrique du Sud. Ce cadeau que je fais au club est très important. Tu connais mon parcours, la recherche de mes racines tahitiennes, le village de mon arrière-arrière-grand-père à Tahiti. Et même si je ne suis pas là-bas, je laisse un maillot des All Blacks. Cela fait partie de l'histoire tahitienne. Un geste fort qui clôt de bien belle manière le One Love, One Team New Zealand Tour 2018.